est depuis une trentaine d'années dans l'enseignement et qu'on peut construire une école, c'est le rêve de tout directeur. Sur le terrain de l'école, qui était un grand terrain vague où il y avait quelques fleurs, et ça c'était en 2010. Et puis petit à petit, on a commencé à imaginer le projet. Et puis, à côté de la construction physique, on va dire, il y a eu la construction humaine. Et pour un directeur, c'est formidable. En général, un directeur, il arrive dans une école où il y a déjà des professeurs et on complète l'équipe. Et moi, j'ai pu choisir de la première à la dernière personne. Et ça, c'est formidable. On a vraiment voulu se conformer à toutes les recommandations du décret mission. Donc, par exemple, on fonctionne par une organisation en cycle. Donc, on n'a pas découpé l'école avec une section maternelle, primaire et secondaire. On a découpé l'école en 4 départements, le 2,5, le 5,8, le 8,12 et le secondaire, aujourd'hui le premier degré du secondaire. Ce découpage du cursus pédagogique en cycle facilite les rythmes d'apprentissage. Dans un enseignement qui vise une approche par compétences, le savoir-faire et le savoir-être ont autant d'importance que le savoir. On est passé vraiment de l'apprentissage de choses, qu'on a appelé du savoir dans notre jargon, je te dis voilà, est-ce que tu connais tes tables de multiplication, est-ce que tu connais tes dates en histoire, etc., à est-ce que je sais faire quelque chose avec mes tables de multiplication, est-ce que je comprends l'histoire, etc. En final, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils savent faire quelque chose avec ce qu'on leur a appris. En classe, les profs, ils expliquent très très bien, donc ils arrivent à te transmettre le message, ils ont une certaine pédagogie. Dès la maternelle, les élèves évoluent dans un environnement qui favorise leur épanouissement. En classe, l'enseignement est assuré en binôme. La particularité ici à l'école belge, c'est que chaque institutrice maternelle est accompagnée d'une aide maternelle, donc qui assiste l'institutrice dans toutes les tâches qui lui incombent dans le quotidien de la classe. L'école leur offre une formation pédagogique pour être aide maternelle. Les binômes de travail sont mixtes culturellement parlant, puisque l'instit maternelle est belge et l'aide maternelle est marocaine, donc ça permet d'avoir une certaine cohérence aussi dans le travail d'équipe. Je suis une aide maternelle en N3, ce qui est la grande section. Ma grande mission étant de suivre l'éducatrice en classe, ça veut dire l'aider dans les ateliers, l'aider à prendre soin des enfants, à veiller à leur sécurité. La présence quotidienne d'une équipe d'éducateurs facilite l'intégration des élèves dans la vie de l'établissement. On est là pour soit les aider, leur faire des jeux, des matchs de foot, basket, tout ce qui est accompagnement sportif ou bien remplacement en classe. On sera là pour eux vu qu'on les connaît, ils nous connaissent. Donc on est là du matin au soir pour les enfants. Alors la particularité qu'on a, c'est d'essayer de travailler le plus en amont possible, c'est-à-dire de prévenir les difficultés en travaillant les règlements, les chartes, mais aussi en essayant de connaître au mieux les élèves et entre autres, par exemple, en travaillant par le conseil de classe, de prévenir une partie et les difficultés pour ne pas être que dans la sanction. À l'école belge de Casablanca, l'enfant apprend de ses difficultés. Un service intégré à l'école est spécialement dédié pour le guider. Une erreur, avant tout, c'est un tremplin pour l'apprentissage. Et ça, on y tient beaucoup. Alors, pour les élèves qui ont des difficultés, on a créé le SSE. Donc, le SSE, c'est le service de soutien éducatif. Donc, c'est un service d'aide qui est intégré au sein de l'école et qui a pour objectif vraiment d'aider nos élèves. Le SSE, ça inspire un petit peu des centres PMS, mais avec quand même une grosse différence, c'est qu'on est intégré donc au sein de la structure de l'école et qu'on a des fonctions qu'il n'y a pas en centre PMS. Il y a 4 personnes qui sont au sein de ce service. Donc il y a une conseillère en orientation, une assistante sociale, une psychopédagogue et une psychologue. Ouverte sur l'extérieur et multiculturelle. La différenciation dont on parle beaucoup en Belgique, elle est vraiment très utile. Très utile pour nos enseignants qui sont déjà formés au départ, mais très utile aussi pour nos collègues marocains qui découvrent un petit peu ce principe. Et là, on a de la chance, on a des collègues marocains pour les cours d'histoire-géographie en arabe, pour les cours d'arabe.
أهمية اللغة العربية هنا في المدرسة البلجيكية كاين اتفاقية ما بين الوزارتين المغربية والبلجيكية. L'école belge de Casablanca a la particularité de proposer à ses élèves des cours de morale axés sur la citoyenneté. Ces cours de morale visent à développer les valeurs qui sont dans la charte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, enseignement, donc des valeurs de démocratie, d'ouverture, d'esprit scientifique, d'émancipation sociale, de neutralité, de respect de chacun. La démocratie s'illustre aussi au sein de l'école, finalement, dans le cadre des conseils de classe, où c'est un peu le cœur de la vie de la classe, où les élèves apprennent à vivre ensemble, à gérer leurs conflits, leurs difficultés, mais aussi à se mettre en projet ensemble. À l'école belge de Casablanca, l'équipe pédagogique est riche de ses différences. Le vivre ensemble est une philosophie de vie qui permet de créer des liens au-delà des heures de travail. Ici, on a pris l'habitude depuis le début de l'année scolaire de mettre en place des matchs de football le soir. Donc on a la chance d'avoir un très beau hall de sport. C'est aussi bien les membres de l'école que les éducateurs, que voilà, toute l'équipe de l'école. Évidemment, ça crée des liens et de temps en temps, on a aussi des parents d'élèves qui viennent se rajouter à l'équipe quand il manque un ou deux joueurs. C'est un endroit où les gens viennent avec le sourire, les petits comme les grands. C'est un endroit où on sent vraiment qu'il fait bon vivre. C'est une école qui vise l'excellence, mais qui vise également l'épanouissement des élèves. C'est une école où chaque enfant a sa place, où chaque enfant est important. Les élèves ne sont pas juste des personnes qui viennent à l'école, font partie de l'école. D'abord et avant tout, l'école belge, c'est une équipe de collaborateurs vraiment exceptionnelle. C'est une équipe motivée au service de nos élèves. Que ce soit des personnes issues du Maroc, que ce soit des expatriés qui viennent de Belgique, ensemble on forme une équipe vraiment très solidaire et très complémentaire. Et donc c'est toute sa force, c'est ça l'école belge, la mixité. Là il y a des professeurs belges qui commencent à parler darija et c'est ça l'école belge. Au Bénis Belia, Adiem Drasoudjiki. C'est ça l'école belge. Et pour moi c'est ça l'école belge. Pour moi, c'est ça l'école belge. Et 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 pour moi, c'est ça l'école belge. C'est ça l'école belge. En septembre 2016, on ouvrira le bâtiment du secondaire. On va donc s'agrandir avec une deuxième implantation avant peut-être d'autres projets encore. Rendez-vous en septembre 2016 dans notre nouvelle école. Rendez-vous en septembre 2016 dans notre nouvelle école.